La famille on dit quoi Bonjour, 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 bonjour. Ça va À <coughs> ah, eh oui, enfriamento. Je n'étais pas parti. Bonsoir à tout le monde. J'ai pris des vacances. Je suis un peu malade. Et ce qui m'est arrivé assez grave quand même. Mais on ne va pas parler de ça. Mais je suis vraiment malade. Donc, j'ai pris mmh. du temps pour me reposer parce qu'on m'a demandé de m'éloigner de tout ce qui peut me donner du stress. Parce que cette maladie-là est liée au choc psy euh, euh, est psychosomatique. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que vous dites, non? <laughs> Je suis sortie déjà. Vous dire que j'avais respecté déjà euh, la trêve que j'avais lancée par rapport euh, au décès de Jules Bourdès au Entre autres, il y a eu euh, la vidéo de Madame Newman, Claire Newman, à propos de cas selfie. Bon, je viendrai aussi également traiter ce cas-là. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je prends toujours le temps de. Comment vais-je dire Parce que je. C'est-à-dire, mes attaques sont souvent. Et réfléchis. Parce que, et c'est ça qui fait ma pertinence dans, dans mes propos. Parce que ce que je dis, qu'on le veuille ou pas, ça fait mal. Ça fait mal ou du moins des fois ça choque. Parce que je ne suis plus dans la mesure de plaire à qui que ce soit, non. Je suis là dans l'objectif de dire ce que je pense. Voilà, parce que nous sommes libres de nos opinions. Comment tu vas saouler? Donc, j'ai pris le temps d'observer, même l'intervention euh, de Cana Selfie. Je viendrai répondre parce que je suis quelqu'un, vous savez, je suis l'une des rares activistes qui apporte les preuves de ses propos. Et pour ceux qui me suivent, ils savent que je suis dans une position de défensive et non d'offensive, parce que j'aime les gens qui assument ce qu'ils font. Quand tu as fait quelque chose, moi c'est comme ça, on m'a éduqué. On dit que dans la vie une faute avouée est à moitié pardonnée. Même quand les gens disent Oh, Tata Huguet insulte les gens Oui, je l'admets, mais je n'insulte pas n'importe qui. Et quand j'ai gaffé, je préfère avoir l'humilité de demander excuse. Comme le malentendu qu'il y a eu entre Mme Rebouka et moi, je me suis excusée parce que, premièrement, effectivement, je n'ai pas le droit de laisser les gens venir régler leurs comptes. Sur ma page. Parce que moi-même là, je m'en prends aussi à ceux qui le font sur leur page. Seulement que comme moi je le faisais, eux, ils ont insinué que je suis en train d'insulter les gens. En attendant, j'étais en train de me défendre. Mais aujourd'hui, maintenant que eux-mêmes, ils sont victimes de ce qui m'ont fait autrefois, ils sont les premiers à crier au feu. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Je viendrai également régler les comptes de toutes ces personnes-là. Vous savez que. Je suis le chef suprême de la République de Corée du Nord. C'est un état nucléaire. Voilà. Donc, si tu viens en guerre contre un état nucléaire, tu dois avoir les moyens d'état politique. Et, les moyens, et le seul pays actuellement qui peut faire face et qui arrive à faire face, ce sont les pays ou du moins les seuls pays qui arrivent à faire face aux attaques du chef suprême de la Corée du Nord, ce sont des états nucléaires également. Voilà. Donc, tous les petits pays à côté, là, qui sont membres de l'OTAN, tous les petits pays qui vous cachent, là, hein, derrière les grands pays, c'est-à-dire les grandes nations nucléaires, faites très attention parce que je vais vous engloutir. Et quand je vais vous engloutir, tous vos boucliers nucléaires, là, comme les Américains disent, aux boucliers nucléaires, là, hein, ils ne pourront pas venir vous sortir du gouffre et dans les abîmes dans lesquels je vais vous envoyer. Je vous observais. Je vous ai beaucoup observé. Je vois tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, j'entends tout et je lis tout. Mais, comme Ecclesiastes a dit, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, j'ai entendu que le regroupement politique, hein, parce que le hashtag là, bas de compte de ta mère, bas de compte de vos mères là, ils appartiennent, la plupart. De ce regroupement-là appartiennent à un parti politique, membre de la coalition de l'opposition gabonaise appelée Héritage et Modernité. Quand on a été mis au courant que Barreau était favorable pour les législatives, compte tenu déjà du fait qu'il était favorable, maintenant je vous donne la doc. Barreau était favorable pour le dialogue d'Ali Bongo. Ce qui a fait reculer barreau au dialogue d'Ali Bongo, c'est la réaction des gens et le temps était inopportun. Parce que les gens sautaient fraîchement de la crise post-électorale. Je vous le dis, je ne donnerai pas mes sources, mais je vais seulement prononcer une seule parole. Michel Menga saura qui est ma source. Me Michel Menga, qui est porte-parole ou secrétaire euh, euh, exécutif de, de, de Héritage et Modernité, a rencontré un leader politique à Paris en, 2000, en début 2017. Ils se sont croisés et tous allaient euh, rencontrer les, les, les politiciens euh, occidentaux pour parler de, de, de l'affaire du dialogue. Donc quand ils se sont croisés, qu'est-ce que euh, euh, Michel Manga a dit à cette personnalité politique-là Que le dialogue est incontournable. Barreau était favorable pour les législatives. Il se rendait dans le domicile de René Ndemezo. Est-ce que vous savez ça? C'est moi qui vous dis. Il partait dans le domicile de René Ndemezo. Barreau voulait aller au dialogue. Maintenant, quand il a vu qu'on avait laminé correctement et bien, à l'époque, l'évêque Mike Joktan, c'est comme ça comment il a capitulé. C'est-à-dire, il a fait un, euh, comment vais-je dire? Il a fait un rétropédalage à 100 degrés. Donc quand on a entendu qu'il était favorable pour les législatives, on a mis une stratégie au point et il est tombé. Il est tombé dans le panneau. Quand nous, on a reçu dans nos états-majors la nouvelle qui se rendait aux législatives, on a pris la décision dans moi-même. J'ai demandé de ne pas l'attaquer. De faire comme si on est ma boule. On ne voit absolument rien. On n'entend rien. Parce que je le connais. Je le connais. Barreau est le genre d'amis que vous pouvez mettre une stratégie ensemble. Vous êtes 10. Il va donner sa voix maintenant le jour. De, le jour euh, comment on appelle ça Le jour convenu pour déployer la stratégie. Barreau est capable de détaler. C'est comme ça. Et vous savez que. Des barreaux, on en a soit dans nos familles, soit autour de nous, dans la société. De tous les jours, au quotidien, on a des barreaux chambriers. Même dans nos lieux de travail, on a des barreaux chambriers, des lâches. J'ai donné l'ordre de ne pas l'attaquer. J'ai dit qu'il faut le laisser, c'est-à-dire lui-même, il va venir. Il, il va penser qu'on ne voit pas comment il marche, mais on voit très bien là où il veut aller. Et il est tombé dans notre panneau. Maintenant qu'il est tombé dans notre panneau, en tant que président du parti politique, hein, qui chaperonne le comité d'organisation qui s'est érigé en tant que juge euh, euh, diaspo, diasporique, ce qui joue maintenant le rôle de Sylvain Don, de la même manière dont Sylvain Don ferme les yeux sur ce qui se passe du côté du PDG du système en place au Gabon. Cette diaspora aujourd'hui a décidé de lyncher certains et de couvrir les autres. Même dans l'affaire de Paul Malikou, il y a beaucoup de révélations là-dedans. Il y a des gens qui m'ont enlevé de leurs amis parce que je suis allée inbox. Je suis allée leur poser la question que, Mais à moi, mi, on n'est plus ensemble. Quand c'est pour lyncher les autres, ce n'est pas souvent on s'associe, même si on n'est pas politiquement d'accord. Mais on dénonce ensemble les injustices. Mais pourquoi arriver au, euh, du côté de ton parent là? Tu ne parles pas. Oh non, 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 t'as, que ta tu sais, moi maintenant, euh, j'ai. Qu'est-ce qui m'a sorti même? Euh, moi maintenant, tu sais, j'ai des objectifs. Moi, tout ça là, c'est une perte de temps. Je ne veux plus revenir là-dessus. En fait, j'ai compris qu'en fait, il voulait trouver une porte de sortie pour ne pas venir, mettre en mal le tonton. Le mbamba imbamba. Mais quand il s'agit de lyncher les fans, de la coalition de l'opposition, nous tous, les anongoma, que ce soit miennais, que ce soit les non-miennais, on est d'accord et unanime dessus que les fans sont des traîtres. Voilà, là on est d'accord. Mais maintenant, quand c'est quelqu'un d'autre, quand c'est un enfant hein, qui, qui prend les mêmes décisions que les autres, une coalition, déjà la coalition des miennes se forme, parce que j'ai écouté qu'il paraît que c'est interdit d'indexer les ethnies des autres. Si les fans de services qui sont avec vous vous laissent, vous-même, même eux-mêmes, les fans, ils m'ont adopté. Je suis Yofa du canton qui est. Je connais chez moi, quand je vais arriver dans le nord, au Yem, je dis, vous m'emmenez dans le canton est Je suis d'adoption de est Si les autres fans de services vous ont laissé venir parler de leurs ethnies, je ne suis pas du genre. Parce que moi-même, quand je suis arrivée dans les réseaux sociaux, les premières personnes que je suis venue attaquer. Je n'ai pas attaqué les Fans. Je n'ai pas attaqué les Miennes. Je n'ai pas attaqué les Bapounous. Je n'ai pas attaqué les Bakota. Je n'ai pas attaqué les Nzebi. J'ai attaqué d'abord mes propres parents. J'ai commencé à faire le ménage chez moi. Voilà. Voilà ma légitimité aujourd'hui. Donc, je suis libre. Et je suis légitime d'indexer une autre ethnie. Parce que j'ai commencé la charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Et tout le monde était d'accord. Voilà, j'ai lavé les altorovéens. Voilà, j'ai su les remettre en cause et en question sur le système de mal gouvernance qui continue à, à, à comment on appelle ça, à appauvrir les Gabonais. Aujourd'hui, j'entends que il paraît qu'on ne doit pas parler d'une certaine, d'une certaine ethnie, mais il faut le dire. Il faut le dire qu'aujourd'hui, il y a une coalition tribale qui fait en sorte que lorsque quand les miennes Foutes la merde, ou des ethnies qui sont proches de miennes, foutent la merde, et bien toutes les personnes qui sont allées se vendre politiquement n'arrivent plus à parler. C'est même eux les traîtres. Voilà comme quand elle les traîtres. Elle, elle préfère se mettre avec les miennes pour insulter son parent et de laitiers, des amaligots. Et quand c'est Baron Chambouillet, tout le monde ferme la bouche. Quand c'est Paul Malekou, il ferme la bouche. Vous êtes des poltrons, des poules mouillées. Voilà c'est ça qui fait ma différence, parce que moi je dis que vous foutez la merde Rawiri a foutu la merde au Gabon Hein Il a foutu la merde au, au même titre qu'Oma C'est pas parce qu'il est mort Rawiri était un intouchable au Gabon Qui pouvait parler, même dans votre clique, jamais Ra était déjà mort Rawiri s'était levé pour dire que non, vraiment Là en quatre-vingt-dix là, ce n'est pas normal de tuer Wana Winche, Izo Niso, Roche Mpongwe, ou Roche Inora, vous n'avez rien fait. Loubois. N'importe quoi. Donc la coalition des moments frustrés de la diaspora de Paris, les anciennes danseuses d'Arongo, je vous mets au walk. Vous avez 48. Heures. La Corée du Nord déclare 48 heures. Après 48 heures, je ne répondrai plus de rien. Chacun va encaisser. Tous les, les je dis bien que la coalition des miennes qui sont, qui sont localisées à Paris. Vous allez sortir, venir désavouer Barreau. Vous allez désavouer Barreau. Barreau. Vous allez aller aussi chez le chef Pongwe. Allez désavouer Barreau parce que Barreau a marché sur les cadavres. Voilà, de la crise post-électorale. J'espère que euh, le morceau de Malekou, l'enfant le, sodomite là, que Malekou a vomi là. J'espère qu'il va emmener toute sa clique. Les erreurs, les consorts. Parce qu'il avait dit quoi? Il avait dit à Sergine quoi? Que non, quand, quand euh, 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 Jean-Gaspard Toutoumaïe, pourtant je ne suis pas d'accord avec Toutoumaï. Je ne le rate pas. Mais qu'est-ce qu'ils s'étaient empressés d'aller dire Ils ont détalé en grande majorité sur le mur de Toutumaï parce que c'est un fan. Ils sont partis en, en coalition là-bas à aller dire que... Eh oui, mais de toutes les façons, la quoi euh, euh, le héritage et modernité ne s'est pas, pas encore prononcé sur les élections législatives, Sergine donc, Oui, nous, on respecte la décision de la coalition. Et ce que dit notre président Jean-Ping, pour dire qu'ils sont différents, ils sont différents de l'Union nationale. Ils sont différents des, des démocrates, des Nguyen Ils sont différents de Mukani Wangu. Ils sont différents de tous ceux qui sont favorables pour les élections législatives. Ils sont même différents de ceux qui sont allés au dialogue d'Angonje. Et pourtant, Annie Léa leur avait dit que, mais si on parle, si on est, on est, on, on, on est, favorable pour les futures législatives, il serait tout à fait logique et sensé que nous puissions mettre à notre mettre les moyens de notre côté de pouvoir organiser un dialogue inclusif sous la médiation de la communauté internationale pour parler des questions de transparence électorale. Même le dialogue d'Angongé, si on répond seulement oui, la communauté internationale viendra à Libreville et nous, pour, et nous pourrons parler de ça. Parce qu'en en fait, le problème se base au niveau du découpage <coughs> et de la transparence <coughs> électorale. Les yeux tordus du FBI chinois de la République de Corée, du, de, de la République de Chine populaire ont insinué que... Elle sort avec un général, là, je sais pas si c'est le général et, quoi, que oui, elle est, elle est favorable à aller au dialogue. La pauvre n'était pas le au dialogue. Mais, c'est-à-dire que quand tu réfléchis de manière rationnelle et logique, tu vas tomber, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, tu feras toi-même cette analyse logique par rapport à la suite des, la suite logique des événements et des circonstances. L'opposition a eu un an et demi pour se donner les moyens d'appeler d'accepter le dialogue qui, de, qui était proposé et la médiation par la communauté internationale pour pouvoir discuter des questions de transparence électorale. barreau chambrier a préféré se fourvoyer il a préféré financer cette cabale injurieuse dans le climat politico gabonais. Les Gabonais n'arrivaient plus à parler de manière structurée, les Gabonais n'arrivaient plus à parler de manière conviviale et, et respectueuse. Non, nous sommes allés en dessous de la ceinture. Et qui a brillé fortement dans cette alternative-là, mais ce sont les proches. Ce sont les proches politiques des barreaux chambriers. Parce que lorsque on insultait, lorsqu'on proliférait des injures à caractère sexuel, des injures, des propos désobligeants qui insultaient non seulement la personne physique et morale de certains individus au point même d'insulter les parents de ces personnes qui étaient décédées pourquoi Baro n'a pas appelé à la retenue son état-major en disant ceci n'est pas, euh, euh, pas normal parce que nous sommes là d'abord dans un débat d'idées et d'opinions nous ne sommes pas là dans un débat de personnes ils ont <laughs> plébiscité la passion du débat. Ils ont insulté tout le monde hein, en insinuant que parce que euh, quelqu'un aurait eu une relation quelconque avec un PDG qui s'était faux. Voyez, il a... ils ont créé à l'achat des consciences. Quand ce sont des gens qui ne sont pas de la machine politique, on insinue qu'ils ont faim. Bon, aujourd'hui, barreau maintenant, qui est prêt à aller aux élections, dites-moi, barreau a quelle faim? Ça fait combien d'années que barreau est dans la machine politique? Donc Barreau Chambrier aussi a faim alors. Moi, il paraît que j'ai un prix. J'ai coûté, coûté 150 000 euros, c'est ce que j'ai entendu. J'ai coûté 150 000 euros à Buronso et son mari Mumbo. Annie Léa aussi a son prix. Tout le monde a son prix, une maison à son prix. Maintenant, que ceux qui ont insinué, que ceux qui n'étaient pas d'accord ou ceux qui ont décidé de se raviser politiquement, avait subi l'achat de conscience que c'est que c'est cette institution ou cette organisation ou cet organisme là puisse venir nous donner le prix qu'a coûté un noble fils de la communauté pongwe. Je dis ça. Vous avez 48 heures pour vous mettre au travail. Vous travaillerez pour le chef suprême de la Corée du Nord. Quand you, you pas dit quoi Ce que you il you trouva. Et quand you trouva ça, you supporta. Arrêtez de vous cacher derrière vos échecs en enseignant que, aujourd'hui, le débat politique devient houleux. C'est un débat de l'injure. Quand Marceau Malekou insultait les gens avec Peggy la cochonne, je n'ai pas entendu la coalition. Même Claire Newman qui est sortie, je n'ai pas vu, hein, sortir pour dire que, mais, Eren, hey, comment tu peux insulter la maman d'un dansi ma banquier mort depuis? Comment tu peux insulter? Moukani Iwangua attendant, tu as mal. <coughs> tu étais la camarade de la fille de Moukani, Iwangu, pourquoi elle n'est pas sortie dire que dans le débat politique, il y a l'injure? Pourquoi c'est quand quelqu'un qui a une force de caractère, celle qui a décidé de... C'est-à-dire que je suis comme le fer. Voilà, on ne me plie pas. Il faut amener le feu pour me. Moi, on me fond. On ne me plie pas. Vous criez aujourd'hui à la vindique populaire Vous vous victimisez qu'on vous insulte. On ne vous insulte pas. On rend à la mesure des attaques que nous avons reçues. C'est tout. Nous ne sommes pas vos nouveaux-nés. Quand vous allez venir, vous avez fini d'insulter nos parents. Vous avez fini moi de me publier nu. Et aujourd'hui, vous insultez que non. On est en train de vous insulter. Qui vous a insulté Qui a commencé à insulter les autres On va ressasser, c'est-à-dire on va repartir à la Genèse. En 2017, on prendra mes vidéos. Parce que même malgré le fait que j'ai bloqué beaucoup d'entre vous, vos commentaires sont encore. C'est là-bas où j'étais allé ramasser les injures de la fille de Samba qu'elle m'insultait. Quand je me suis ressassé les vidéos de l'an passé à cette période-là, vous étiez en train de m'agonir d'injures sur des faits non, c'est-à-dire que non prouvés. <laughs> Aujourd'hui, <laughs> euh, comment on appelle ça Adèle insinue que je fais un acharnement sur sa personne en oubliant pourquoi est-ce que je m'attaque contre elle. C'est-à-dire que même quand quelqu'un t'attaque, il y a toujours un mobile. Et quand je fais, j'admets, je dis que oui, Dana, j'ai fait. Parce que personne ne va me rendre dans le ventre de ma mère. Of course que j'ai décidé de m'acharner contre elle. Mais le mobile était lequel Je dis à Adèle que Adèle, puisque moi-même j'ai la preuve aujourd'hui, Ultime, que tu as participé d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que même si tu, tu ne l'as pas fait frontalement, mais subliminalement, c'est-à-dire dans l'obscurité, tu faisais partie des têtes pensantes qui déployaient des stratégies d'injures et de diffamation sur ma personne. Maintenant qu'aujourd'hui, je vois que tes anciens associés politiques avec qui vous aviez déployé autrefois cette stratégie-là commencent à réfléchir comme moi. Je voudrais que eux aussi également, ils aient le même sort que moi j'ai subi. C'est tout ce que j'ai dit à Delle. J'ai dit à Del que je te. Elle pensait peut-être que je blaguais. Le problème, c'est qu'elle n'a pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas considéré mes propos. Moi, vous allez remarquer, même quand je dis que je blesse 48 heures, j'avertis toujours. J'avertis toujours. Et j'ai respecté le décès de Jules Boudès au Goligende. Pourquoi? Parce que la mort. La mort est la seule action qui me démontre qu'elle est unanime. C'est-à-dire, l'amour, elle n'est pas partisane. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu étais bon comme mauvais, elle te prend. Et j'ai respecté au moins la famille Oguligende. Moi qui suis né dans un bas-quartier, mais ils ne se sont pas gênés de faire les lives. Ils ne se sont pas gênés de faire les lives en entendant M. Jules Baudès Gouligende, c'est une personnalité politique publique. C'est-à-dire que même les anciens président de l'Assemblée nationale qui était en fonction, qui vivait encore de son temps, pouvait venir à Libreville lui rendre hommage. C'est-à-dire, la République était en émoi. Et la décence voulait que nous puissions faire profil bas. C'est-à-dire, malgré nos mésententes, nos désaccords, il fallait respecter au moins le personnage et le patrimoine politique qui attirait sa révérence. Dans sa 81e année, mais ils ne se sont pas gênés. Eux qui disent qu'ils sont éduqués, moi qui ai l'éducation inachevée, j'ai respecté la mort de Jules Baudès au Goligende. C'est par respect que vous avez vu que je n'ai pas répondu à toutes leurs conneries qu'ils étaient en train de faire dans les réseaux sociaux. Parce que ma parole a de la valeur. Ce que j'ai dit, c'est ce que je fais. Donc, qu'elle aille bien se rappeler que Dana lui a dit que si je viens t'attaquer, c'est parce que tu étais en coalition avec Pat Collins. Tu es, et je les mentionne. Tu étais en coalition avec certaines personnes. Donc si Pat Collins aujourd'hui parle comme moi j'ai parlé hier, tu dois l'attaquer. Parce que c'est pour ça que tu m'as attaqué. On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. Même si on était des amis, c'était virtuel. On ne va pas dire qu'il y a eu des problèmes de copains ou bien il y a eu des prêts d'argent ou bien non. Ou quelqu'un allait chez quelqu'un, il n'a pas lavé les assiettes. Non, c'est par rapport à... À, à nos opinions politiques. Qui a eu ces malentendus Le fait qu'elle soit rentrée dans le Sisongo, moi aussi je ne suis pas allée lui poser la question. Elle dit que j'étais sa copine. Pourquoi elle parlait de moi derrière Maintenant, elle n'a pas pu m'appeler pour dire que non, Dana, j'ai entendu ça sur toi. Est-ce que tu peux me garantir que ce qu'on raconte de toi là, c'est vrai Elle a fermé la bouche parce qu'elle avait confiance. Elle avait confiance en qui En la Dream Team. Elle avait confiance à qui Ando aussi elle avait confiance à qui, Alain Serge, mais depuis que je suis en train de la laver, de harceler correctement et bien, je n'ai ni vu Ndossi, je n'ai ni vu Alain Serge, encore moins Franck Jotan, hein, venir prendre sa part. Personne ne va venir prendre sa part. C'est ça, quand on traîne là dans quelque chose, c'est ça. Tu viens payer les conséquences du Congo, ça. Jusqu'à présent, aucun de ces trois, eh, comment on appelle ça, de ces trois mousquetaires-là, ne s'est porter garant partie civile de dire que non, on va descendre dans les réseaux sociaux pour venir mettre Tata Huguette dehors, que l'argent qu'elle a reçu, nous étions témoins. Voilà les mandats d'argent, j'ai les preuves, les Western Union, comment elle a été corrompue. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous pris le Sisongo, ils sont dans, le, dans les profondeurs. Devant eux, ils gèrent l'affaire de la mosquée de l'ambassade. Tous les vendredis, ils sont à la prière, à la mosquée de l'ambassade. Et c'est elle qui est restée maintenant victime de mon harcèlement. Pourquoi? Parce que c'est maman Congo, ça. On a dit, tu as entendu il paraît qu'il parle. Tu as entendu le Congo ça Mais appelle ta, ta copine, non Tu que ma J'ai entendu ça. Est-ce que ce qu'on a dit là, c'est vrai Non. Elle s'est voilée rentrer dans le bunker pour aller colposer Elle qui confirmait. Et ce que je dis là, je vais apporter la preuve de ce que je dis. Parce que je suis comme ça. C'est-à-dire que je laisse toujours largement le temps aux gens de me démontrer. Moi-même, j'investigue. C'est-à-dire quand toutes ces personnes sont venues me voir, pour me dire que, Adana, apparemment, il se passe quelque chose entre Adèle et toi. Mais on voit qu'elle n'arrive pas à parler comme ça devant toi. J'ai eu le temps de l'observer. Et ce tu sais qui m'a fait me fâcher, c'est-à-dire ce qui m'a mis en colère par rapport à Adèle, c'est justement ce qui se passe actuellement sur le cas des barreaux chambriers. C'est la complaisance. C'est le fait que on, 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 on lamine certaines personnes et on couvre d'autres personnes. La niaque avec laquelle on s'en prend à, aux enfants et quand, ce n'est pas la même niaque qu'on s'en prend au bilop ou aux anongoma. <coughs> ce n'est pas bon. <coughs> ce n'est pas du tout sérieux. Et il n'y a qu'une personne courageuse comme moi. Qui soit capable de venir dire que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. C'est en train de desservir à votre cause plus qu'autre chose. Je vois des petits posts péjoratifs pour dénoncer Baro Chambrier. Non. Baro Chambrier, c'est quelqu'un qui doit être correctement traité. C'est-à-dire que Jean-Gaspard Toutoumaï, on peut tout le reprocher. Jean-Gaspard Toutoumaï n'est pas agent content hein, du déclin de la machine de l'État gabonais. Donc c'est le deux poids deux mesures, on ne peut pas, c'est-à-dire la virulence avec laquelle on va traiter le cas de Tuntumaï, ce n'est pas la virulence avec la, laquelle on doit traiter le cas de Baro Chambrier, parce que Baro Chambrier, héritage de modernité, Vincent de Paul Ngojou, Michel Manga, on connaît, hein le Gabon, là, on connaît, hein Comme dit mon oncle, l'enlève, big up à toi, mon oncle Je t'ai vu d'un dernier Louis Vuitton Ça ne va pas avec la voiture Avec les sachets dedans L'enlève, appelle moi tu sais Mais dis donc, je t'ai vu C'est à dire que tu ne savais pas où tu étais Quelqu'un m'a dit que regarde, l'enlève, tu étais frais au jour 5 Appelle ta nièce Anyway, on revient dans le clash Donc, je disais que... Comme disait l'enlève... Que on vous connaît, hein mais il n'y a pas la même virulence pour demander à Baro Chambrier qui dit qu'aujourd'hui il va aller dans la, la maison du peuple pour le peuple gabonais. En attendant, il revient de là-bas. Donc quand il siégea à l'Assemblée nationale là, donc il n'y avait aucun journaliste au Gabon pour poser la question à, à Baro Chambrier que s'il insinue qu'il allait aux législatives en deux mille là, c'est pour le combat du peuple. Pourquoi on ne lui a pas posé la question que, mais lorsque vous étiez à l'Assemblée, monsieur l'honorable Barreau Chambrier, vénérable, euh, monsieur le ministre, avec toutes les fonctions qui suit avec, euh, vous étiez là-bas pour qui Parce qu'il revient de l'Assemblée nationale. Il revient de l'Assemblée nationale. Il siégeait là-bas donc pour qui Non, tout le monde est dans la corruption. Les journalistes aussi, ils ne vivent que de ça. Donc, s'ils vont poser des questions compromettantes comme ça à Barreau, ils vont se retrouver au pain sec. Donc comme beaucoup ne veulent pas aller prendre les cartes pour militer dans les partis politiques, <coughs> ils sont obligés de devenir amnésiques. Hmm? Et c'est ce que je suis en train de dénoncer. Parce qu'il ne faut pas pervertir mes propos, les sortir de leur contexte. Le problème, c'est que Tata Huguette, il y a eu des attaques érigées pour Aniléa. Les mêmes attaques, Aniléa qui n'a jamais été au gouvernement. L'œil du FBI est parti contrôler la vie d'Anilea. Savoir qu'Anilea est déjà dans le lit de du général et quoi. Savoir que les filles d'Anielea apprennent maintenant en France qu'elle s'est fouvoyée, qu'elle s'est compromise. Mais pourtant c'est doqué dans le gouvernement Anilea n'est pas encore entrée dans le gouvernement. Pourquoi la même hargne avec la même avec laquelle on a attaqué Anilea depuis 24 heures La toile, ça dit que personne ne dit rien. C'est à peine, c'est-à-dire tu sens que les gens le font même malgré parce que. Et vous savez, hein, je vais vous dire une chose. Vous savez aujourd'hui pourquoi même il y a des petits trucs où on, on, on chatouille un peu barreau. C'est parce qu'ils ont peur des gens comme nous. Si on n'avait pas. Si je n'avais pas pris ce courage-là, ils ont peur des gens comme moi. Si je n'avais pas pris ce courage-là de crier à l'injustice, hein, à la justice populaire, à géométrie variable. Je vous dis qu'aujourd'hui, la posture de Baron Chambrier, héritage de modernité, allait passer à la lettre, à la poste comme une lettre. C'est parce qu'ils savent que la chef suprême de la Corée du Nord, à Samatigela, le Berusama, va venir poser des questions. Qu'aujourd'hui, c'est-à-dire sont obligés de faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, quand quelque chose vient du cœur, comme là, je suis en train de parler, les Gabonais savent. Ils connaissent que là. Notre soeur, elle est en train de péter. Elle n'est pas d'accord. Le deux poids, deux mesures. Quand c'est pour une démeso, les lives vont sortir jusqu'à <laughs> la santé d'une démeso sera dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi on ne peut pas condamner une démeso politiquement. Pourquoi on doit savoir le statut sérologique d'une do... démeso Donc, pour, pour Baro Chambrier, là, lui, seulement, le mal qu'il a fait, c'est d'aller aux élections législatives. Il n'a jamais détourné. C'est de mesocons, c'est qu'il avait détourné, que Bitam n'a jamais euh, connu son apogée parce que c'était un mauvais dirigeant dans la province du Nord. On est au courant du statut sérologique. Quand c'était Moukani Ouangou, on a même su que Ping lui avait donné la voiture. Mais pour Baro Chambrier, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le deux poids deux mesures? Le fait seulement que Mukani s'est retrouvé dans la, c'est-à-dire dans la même salle qu'Ali Bongo. Moukani n'a pas souffert de quoi Est-ce que vous savez que de tous les cyberactivistes qui avaient remis Moukani Mou, Iwangu en cause, appelez le président euh, Moukani Iwangu, demandez-lui, je me suis abstenue de porter un jugement sur sa personne. Je n'ai pas participé au lynchage médiatique de Moukani. Vous savez pourquoi Parce que je suis une femme de la République. Parce que je sais qu'il y a des choses qui se font de manière apparente et il y a des choses qui se font. Dans le fond. Et je vous l'avais toujours dit, que même on peut se battre. Mais un jour, tôt ou tard, nous serons appelés à nous asseoir, même avec l'imposture d'Ali Bongo. Pour la survie, pour l'intérêt, comme dit elle, pour l'intérêt général de la nation, à un moment donné, il va falloir que nous puissions nous asseoir avec Ali Bongo, même si nous ne sommes pas d'accord. Parce que la vie d'une majorité de personnes en dépend. On ne peut pas. Nous-mêmes pousser notre pays à rentrer dans la guerre civile. Le Gabon, ce n'est pas le Mali. Où il y a le désert. Le Gabon, c'est le bassin d'une forêt. La deuxième forêt la plus importante, après celle de l'Amazonie. Même les drones ne peuvent pas rentrer. Une, chaque arbre est une potentielle cachette. C'est-à-dire que d'un animal, ou encore, nous sommes déjà atteints par le phénomène du terrorisme au niveau de, 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 de comment on appelle ça, du Cameroun et du Tchad. Nous sommes atteints. La zone CEMAC est dans une instabilité. Pas possible. Donc aujourd'hui même le, 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 le plus grand pays de la CEMAC, sa stabilité dépend de ces deux frontières de la Guinée équatoriale et du Gabon. Pousser le Gabon dans l'embrasement, c'est déstabiliser le plus grand, le berceau de la CEMAC, le Cameroun, nos frères du Cameroun. Aujourd'hui là, si ça pète... Sur les six frontières du Cameroun, ils n'ont que deux pays où ils peuvent nager, rentrer pour essayer d'espérer avoir une, une possibilité d'apaisement et d'assainissement du climat. C'est le Gabon et la Guinée équatoriale. Parce que quand on fait quelque chose, il faut penser aussi aux autres. Le problème, c'est que nous sommes égoïstes. On ne pense qu'à l'instant présent. On ne pense qu'à nous-mêmes. Pourquoi aujourd'hui, il y a eu un acharnement sur le fait que Don Sima soit allé à l'investiture d'Ali Bongo, même si je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas été d'accord qu'il soit allé à l'investiture d'Ali Bongo, mais je n'ai pas eu besoin d'insulter sa mère Ban. Je n'ai pas eu besoin d'insulter ses enfants qui sont mes amis et mes frères. Et Baro a laissé. Il a laissé faire tout ça. Il a accès aux réseaux sociaux. Parce que c'est grâce aux réseaux sociaux que je suis que il, il, il s'en va aux législatif. Pourquoi il n'a pas appelé Marceau Malekou pour lui dire que non, ce que tu fais là, ce n'est plus de la politique, c'est de la haine. Ils ont laissé prospérer ça. Parce que c'est à leurs avantages. Vous savez, nous sommes dans un jeu. Et les actions que nous posons, soit... Elles nous, elles nous servent, soit elles nous desservent. Et c'était à leur avantage parce qu'ils avaient besoin de pousser C'est-à-dire ils avaient besoin de décrédibiliser certaines personnes pour eux maintenant venir pour, euh, venir et penser, manipuler et obtenir la confiance des Gabonais, parce que plus le paysage politique était en train de, comment on appelle ça, de s'élargir, donc ils étaient en train de diaboliser certaines personnes, donc ça faisait en sorte qu'il y avait des militants sans orientation, donc eux maintenant ils étaient là pour venir copter maintenant ces militants-là pour les faire acquérir ou je ne sais pas, les, les compromettre ou je ne sais pas, les engager dans leurs causes les causes qu'on ne sait pas ce qu'ils cherchent jusqu'à présent donc si aujourd'hui il y a un tribunal, une assise dont ma Lekoua a eu à retrouver l'usage de ses doigts pour parler des gens qu tout maille, qui n'ont pas qui n'a en aucun cas dans, dans, dans l'État gabonais. Dites-moi un peu, quel est le back-fond de des, des Tontoumaï Moi, j'agresse Tontoumaï sur le fait que depuis deux élections, il soit stratège de la stratégie du pétard mouillé, que lui, il pond les mauvaises stratégies dans l'opposition. Il faut pas mélanger. Quand je ne suis pas d'accord avec Tontoumaï, c'est parce que lui, il est là-bas au CP0 de l'opposition, 1900 jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec Toto parce qu'il y a un problème de détournement de fonds, même si nous savons que les partis politiques dans lesquels il milite sont des partis politiques dont les fonds de souveraineté ont été investis sur de l'argent, euh, euh, comment on appelle ça, euh, euh, subtilisé dans les derniers publics. Ça, nous le savons. Et j'ai même parlé de, de, du fait que nous soyons, des, comment on appelle ça, nous soyons des receleurs passifs. Mais pourquoi il y a eu tout ce déferlement? Sur le cas de Jean-Gaspard Toutoumaï Et aujourd'hui, c'est à peine C'est-à-dire que Messie, à l'heure-là Il dit qu'il est dans l'intérieur du pays il, Barreau, de la même manière ils ne disent rien, ça fait la deuxième fois Quand Barreau est allé à Paris Les rencontrer Vous avez vu la vidéo de Barreau Ils n'ont pas publié la vidéo Il n'y a eu aucune photo Que Barreau est allé les rencontrer Il sait que Barreau a dit dans la vidéo Ça n'étonne pas, Messie, non Je vous dis ça il est parti regarder la diaspora de Paris en face. Et je suis sûr qu'il a déposé de l'argent. C'est pourquoi vous voyez les bailleurs de fonds aujourd'hui. C'est-à-dire que les exécutants de ces bailleurs de fonds, on peut les insulter. Ça glisse sur eux. Parce qu'ils ont déjà reçu une moitié du fonds électoral. Aucune photo, aucun live pour parler de l'arrivée de Barreau à Paris. Il est parti les voir là-bas. Donc, Barreau était devant eux. Ils n'ont pas eu le courage. De mettre les caméras, nous montrer comment ils insultent et qu'on des moments des gens. C'est maintenant quand Barreau va faire sa déclaration, à combien plus de 10 000 ou 12 000 ou 24 000 kilomètres de Paris, que vous pensez que cette diaspora va s'élever pour dire quelque chose? Mais les Gabonais, ouvrez quand même les yeux! On va continuer à vous manipuler jusqu'à quand? Ouvrez les yeux! Vous pensez que c'est aujourd'hui maintenant là que ils vont s'élever pour venir condamner? Barreau était à Paris, Barreau leur a dit! Je dis bien que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un fait exclusif que Barreau puisse avoir le courage de se déclarer candidat. C'est parce qu'il est parti prendre la température. Ils avaient d'abord envoyé Ping. Comme ça n'a pas marché, euh, Ali Bongo a déjà pris son beau-frère en otage. Je ne sais pas ce qu'ils discutent les deux. Il était obligé lui-même <coughs> de se rendre à Paris. Parce que, analysons les faits. Qu'est-ce que Marceau Malekou dit et en dehors de ce que Marceau a dit, on a l'avant-dernière sortie d'Héritage et Modernité. Qu'est-ce que Barro avait dit au dernier rassemblement qu'ils ont organisé à Wenzhou, au président Jean-Ping Que M. Jean-Ping, on se remet. Hein? C'est-à-dire, on a des ambitions par rapport à, aux futures euh, échéances électorales, mais la dernière alternative que nous avons, c'est de nous en remettre à votre décision. Ce que vous déciderez, c'est ce que Héritage et Modernité fera. Il n'y a qu'avec votre aval que Héritage et Modernité participera aux élections, aux futures échéances et législatives ou décidera de boycotter. C'est avec votre bénédiction. Ou bien vous êtes devenu amnésique aussi des oreilles de lui. Si vos, si vos yeux louchent, pour ne pas avoir bien vu, mais vos oreilles aussi louchent, l'état de votre compréhension louche. Bon, maintenant... On n'a toujours pas entendu la voix de Ping par rapport aux législatives. Apparemment, de ce que nous avons remarqué, c'est que les partis qui gravitent autour de sa coalition, au niveau de certains partis, euh, pardon, parce qu'il faut le préciser. Certains partis Mbrakata, les partis fictifs, qui sont en train de gonfler l'effectif, parce que la vérité est que les vrais partis politiques qui ont les vrais militants, c'est-à-dire pas les comptes fictifs, pas les partis aux comptes fictifs, parce que vous savez leurs mille comptes là, qu'ils ont dans les réseaux sociaux là, ce sont les noms là qui sont inscrits là-bas au ministère de l'Intérieur en tant que parti politique. Hein. Tout ça c'est le ficticisme. Ils reviennent du PDG, ils font pareil. Le PDG a les faux partis de l'opposition fictif, eux-mêmes ils ont les faux partis, euh, comment on appelle ça, des coalitions fictives. Mais les vrais partis qui ont les militants qu'on voit la journée, pas les militants de la nuit, parce que tout le monde n'a pas les doubles yeux pour sortir de leur corps, à assister à vos réunions politiques mystiques. Les vrais partis politiques physiques, ce sont les partis aujourd'hui qui sont favorables pour les législatives. Donc, on voit les militants des partis fictifs là s'indigner, refuser que Jean-Ping donne son approbation pour les futures législatives. Mais, Comment se fait-il que le fils politique, le futur héritier de la, coalition, de, la, de la coalition du comité du syndicat des Miennes de la diaspora, délocalisé à la tête des marcheurs blancs de Paris du Trocadéro, comment se fait-il qu'il ait le courage aujourd'hui d'annoncer sa candidature à l'élection législative ainsi que son, son parti politique En entendant, ils ont des prisonniers politiques dans leur coalition ils ont des prisonniers politiques là-bas. Oyugu est en prison, Masavala est en prison, mais ça ne les empêche pas d'aller au législatif parce que la priorité pour eux aujourd'hui n'est pas de sortir les, les, les prisonniers politiques. Leur priorité aujourd'hui, c'est de préserver leurs intérêts, leurs acquis. Parce que vous savez, hein, la politique, c'est comme euh, l'amour, ça hein, horreur du vide. Voilà aujourd'hui la face, la face cachée de la résistance. Je vous ai dit que même quand ils sont venus me lyncher, je vous le dis aujourd'hui, la vérité est que. Danny Carter Rondo Metogo. C'est quoi le problème avec mes, mes faux profils? Tu agresses Chiara, pourquoi? Ne me distrais pas. Laisse-la tranquille. Donc, aujourd'hui, vous conviendrez que la cabale injurieuse dont j'ai été, dont j'ai fait l'objet. Vous savez, c'était dans quel objectif? C'était dans l'objectif dans de me désamorcer. Parce qu'ils m'ont toujours en fait ils, ils ont fini par comprendre que j'étais, j'étais, comment on appelle ça? J'étais nocive pour eux. Ils voulaient me tuer politiquement. Ils me trouvaient trop compromettante parce que j'ai eu le courage de venir vous dire que je connais déjà ce que la communauté internationale a dit. Le même héritage et modernité, qu'est-ce qu'ils ont dit Qui ne vont pas aller au dialogue d'Angondé, non Mais pourquoi donc aujourd'hui vous avez laissé les autres se faire insulter Vous avez laissé les autres se faire vilipender Parce qu'il faut être juste. Pourquoi aujourd'hui vous allez bénéficier des, des non-avantages Parce que vous avez dit qu'il n'y a aucun avantage du dialogue d'Angondé. Mais qu'est-ce qui vous garantit finalement de participer à cette élection-là s'il n'y a pas d'avantage d'y participer ils ont été payés pour me déstabiliser dans les réseaux sociaux. Parce qu'ils savaient que celle-là, c'est un détonateur. Elle démarre au cas de tout. La vérité, je ne suis pas associé avec vous. Jusqu'aujourd'hui, là, ma liberté, c'est ce qui m'a sauvé, c'est-à-dire de toutes les erreurs que j'ai commises. La seule erreur que je n'ai pas commise, c'est de prendre une carte de parti politique. C'est là où, c'est-à-dire que c'est de là où a été ma force. Parce que, qu'on ne le veuille pas, personne ne sortira un document qui va statuer. Même la Dream Team, ils ne vont jamais sortir un document légal qui nous unit pour dire que non, eux et, et moi, on doit s'associer ou je dois obéir à une, une, une euh, décision déconcertante, unanime. Il n'y a aucun contrat qui nous engage. Donc, à la fin de la journée, je suis libre de mes faits et gestes. Et c'est ça qui m'a sauvée. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas faire la guerre à Kazmi parce que c'est un ancien premier ministre, parce que lui aussi, il est impliqué par rapport au mauvais système de gestion de la machine politique gabonaise et laisser Baro Chambrier. Non. Vous ne pouvez pas. Malécou ne peut pas venir parler des gens Kaspar Toutumaï. Ça, c'est le désordre. C'est le désordre parce que Toutumaï n'a volé aucun argent. L'argent du Gabon se trouve dans les comptes en banque de son père et de sa mère, ancienne trésorière d'Arongo. Hein? Avec un papa corrompu. Un juge, l'un des juges les plus corrompus de l'histoire de la République gabonaise, Paul Malekou. Donc, je leur laisse 48 heures pour venir nous expliquer. C'est qu'il en est. Parce que maintenant là, eh bien, nous sommes suspendus à leurs lèvres. Il va venir nous expliquer. Maso Malikou va nous. Il va m'expliquer où il était en 2014, où il est président d'un parti politique aussi. Parce que le parti politique dans lequel il milite là, le président de ce parti s'appelle Baro Hugues chambrier Randy. Alias, pour mouiller. Parce que voilà l'une des choses que. Vous savez, hein je ne suis pas d'accord avec Barreau. Hein. Et Barreau, en fait, je vais lui dire quelque chose. Qui sait déjà? Son père le lui a toujours dit. Ou bien si ses amis d'héritage et modernité ne lui disent pas ça, moi, je vais lui dire. Pourquoi il va échouer en politique? Parce qu'il n'a pas pris le courage de son père. Vous savez, le père de Barreau, c'est une canaille. Hein. Le père lui-même rendit c'est une canaille, c'est une brute. Et ce que j'aime avec le monsieur là, c'est que son nom, c'est un nom. Il ne ment pas. Tout le monde sait que c'est un grand tribaliste, il n'est pas dans les affaires des femmes. Est-ce qu'il a caché, il a, il a déclaré ça? Les gens ont sorti les vidéos, il s'en fout. Il a déjà dit que lui, n'est pas dedans. Il soutient Ping, c'est le soutien mien. Et si son fils vient rejoindre Jean Ping, eh ben, quand Ping fait un mandat, il donne à son fils. Il est clair. Il ne non. C'est, va mieux fonctionner avec quelqu'un comme ça. Parce que les gens, les gens aiment les mythomanes. Vous tournez, tournez pour dire oui, mais on tourne, on est rentré sous les selles, dans les narines, non, dans la gorge. C'est ça. Je pense que c'est l'une des choses, ce qui a fait la force du caractère de son père. Pourquoi Bongo a gardé le père chambrier à côté de lui Parce que c'est un monsieur qui est pragmatique. Il est comme Bush, il est comme Trump. Son nom, c'est un nom. Il ne cache pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Ne l'emmenez pas. C'est là où je suis d'accord avec. Donc, quand on va dire que. Oh, et le père Chambrier, tribaliste, ça va étonner qui Il a déjà démontré aux gens qu'il n'est pas dans les affaires-là, des anongomas de nous-là, il n'est pas dedans. C'est monsieur mien et indistingué, dans leur tête, dans leur dimension, ils sont une race aérienne gabonaise. Donc, quand on va s'associer à ces gens de personnes, c'est à nos risques et à nos périls. Donc, je ne peux jamais perdre mon temps pour venir parler de son père. Mais son fils, il a pris le côté des ping. Ils sont fourbes. Ils sont fourbes, ils sont comme une mangue. Vous avez vu, il y a des mangues comme ça, tu les achètes, elles sont jolies d'apparence. Mais quand tu la fais en deux, tu vois qu'elle est pourrie de l'intérieur. Elles sont comme ça. Les gens qui vivent pour les opinions des autres, et c'est un défaut, enfin selon moi, hein, c'est un grand défaut. Les gens ne m'aiment pas, hein, mais ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que Tata Huguette, c'est comme ça, elle démarre au cas de tout. Je ne suis pas dans les non-sens. N'est-ce pas, mon frère ambassadeur Kingele? Quand tu as voulu faire le con avec moi, je t'ai dis, je t'ai parlé clairement, je t'ai dit qu'ambassadeur Kingele, je suis pas dans tes conneries avec Marcona, tu me fous la paix. Votre parti politique, l'Union nationale, vous foutez la merde. Est-ce que j'ai caché, j'ai dit la vérité? Donc, aujourd'hui, ce n'est pas mon frère ambassadeur Kingele qui va faire l'étonner que je vienne m'asseoir sur Barreau Chambrier. Sur Hugues. Parce qu'il sait que quand ça ne va pas, je te dis, et c'est la même chose. Donc, quand la selfie arrête de faire la, 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 la victime, je lui ai dit que je te donne 48 heures. Si tu ne mets pas tes états-majors tes états au work, sur le cas de Pat Colline, je vais te rendre... Je dis que je rendrai tes jours invivables sur les réseaux sociaux. Je vais te rendre la vie impossible. Elle est là, elle pleure. <laughs> je suis encelle et moi qu'on a pu bien nu. Les gens m'ont vu venir pleurer. Ils m'ont vu venir pleurer. Si elle est pleure, moi je vais faire quoi Donc je, je meurs quoi Elle parle de quoi Elle parle de quoi Mentir qu'on oh, a publié son enfant. Moi je connais les enfants d'Adèle. Je les connais même si son fils passe. Même malgré le fait qu'on a parlé un jour, elle m'a envoyé la photo de... De la même manière dont elle ne connaît pas mon enfant, je ne connais pas son enfant, qu'elle arrête. On oh, sait les enfants de qui on a publié dans les réseaux sociaux. Non, mais c'est la vérité. Euh, si toi-même, tu me connais. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et je dis ça. Aujourd'hui, s'il y a un parti politique, pourquoi je suis fâché avec l'Union nationale Parce que c'est chez vous qu'on est venu chercher le, 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 le sacre. Même j'ai vu euh, mon frère là. Je n'ai rien contre lui. C'est l'un des résistants. Euh, je ne sais pas, il a un nom là. Serge Christian, quoi, quoi, quoi là. Euh, euh, je vais trouver son nom après là. C'est l'un des résistants. Bob le fou, voilà, c'est l'un des résistants avec qui je n'ai aucun problème. Il disait que oui, qu'il faut que, euh, le, le, comment on appelle ça, l'Union Nationale euh, de Zacharie Miboto, Baro Chambrier, Nzuba et Mukani quittent la coalition. J'aimerais bien lui, lui poser la question que, comme avait demandé Maïla, est-ce que vous connaissez, même ça dire vous êtes arrivé dans les, les valises, vous avez apparu comme ça à la banquise, est-ce que vous connaissez l'histoire? Comment cette banquise là est née? Cette coalition politique là, est-ce qu'il a le récépissé de la genèse de cette coalition politique? <laughs> Donc, je vais pas vous garder plus longtemps. Allez, allez réfléchir. Je leur donne 48 heures. J'ai su rester près de deux semaines. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas la peine de faire que quand moi, je serai en live et vous allez aller faire vos lives brakata parce que c'est toujours comme ça. C'est quand moi, j'ai à dire là que vous vous connectez pour venir parler de non-sens. Non, 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 non. Vous mettez, vous avez 48 heures. Vous pouvez faire tous les lives que vous, que, 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 que vous devez faire. Faites-les. Parce que le Beru Sama doit revenir. Le, 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 la face cachée de la diaspora. Ils hum. étaient en train de vous mentir, non On a payé d'Anna. Heureusement que j'ai vraiment une force de caractère. Je ne sais pas où j'ai puiser ça. Je pense que j'ai dû prendre ça du côté de ma mère. Et il paraît que la, que ma, la mère de mon père aussi, c'était une canaille une dame de fer. C'est-à-dire que je disais ça même aujourd'hui quand je parlais à une soeur que... Ouh, si j'avais suivi les histoires et dit que non, parce qu'on m'a publié nuit, je vais boire les médicaments. Oh, je n'allais pas enjoy ces moments-là. Je n'allais pas enjoy ces moments-là. Oui, aujourd'hui, je vois comment Dieu est en train de confondre. Il est en train de confondre mes adversaires. C'est ça, confusion dans le camp de l'ennemi. Ils sont confus aujourd'hui. Honteux et confus. Honteux et confus. Vous allez venir dire quoi aux Gabonais côté la Libye. Oh on va aller à l'Assemblée législative pour le peuple gabonais. Mais toi, tu reviens de l'Assemblée, tu étais là-bas donc pour le peuple quoi Pongoué, hein Tu n'étais pas là-bas pour le peuple gabonais. C'est-à-dire que vous-même, on vous prend à l'usure par vos propres propos que vous-même vous déclarez. Comment tu peux insinuer qu'aujourd'hui, si tu repars dans la bataille législative, c'est parce que tu pars te battre pour le peuple gabonais Dans les 1,7 là, tu viens prendre aussi l'engagement de signer que tu vas partager ça avec le peuple gabonais Si tu comptes aller te battre pour nous, Il était, chaîne de Merci beaucoup, euh, euh, Annie Lea. C'était le bon petit maison. <laughs> Il me dit qu à quel niveau elle est résistant des state. Non, ceux-là, ce sont les informateurs d'Adel, non? Euh, Franck Jotan, euh, Linda aussi et puis euh, euh, Alain c'est eux. C'est l'un d'eux. Qui allait colporter le Congo, ça, que j'ai pris l'argent? C'est l'un d'eux. Avec la honte là. Ils étaient obligés de m'enlever de leurs amis. Depuis là, je les attends. Il y a confrontation quand? Franck est parti parler dans l'émission de Malcolm du Mapane. Il faut qu'on nous invite. Il ne va pas venir à Sans Tabou parce que sans tabou, on va, on va estimer que... C'est une orientation variable. Hein? Cette émission a qui à ma cause parce que je suis membre de Sans Tabou. Qu'ils organisent une assise, on parlera de cette journée de, de Force saison chez Buronso. Frank Jotan va expliquer si ce jour-là, il n'est pas resté avec moi au hall de l'entrée, que lui et moi, nous ne sommes pas ressortis après avoir discuté de manière conviviale avec Len Mombo. Si moi, Dana, il m'a vu ne serait-ce qu'une minute. Aller quelque part avec Lemombo, ou qu'il avait vu Bouronto, parce que j'ai même entendu que il paraît que j'ai vu Bouronto. J'ai même écouté ça dans le live de Claire Newman. J'étais étonnée. Car bon, donc j'ai vu Bouronto, c'était quand? C'est eux qui, qui étaient les informateurs d'Adèle. Donc, comme elle s'est dit que, ah, les gens étaient avec, à l'hôtel avec Dana. Donc, si eux, selon eux, la rumeur est sortie qu'elle a pris l'argent. Donc, ça ne peut qu'être vrai. Et à un moment donné, je me mets à sa place. Mais quelqu'un d'intelligent, et c'est là où Pat Colline c'est plus intelligent. Parce que Pat aujourd'hui, il a démenti. Comme Marco, Evangeline Massima lui a posé la question que tu vas accuser Dana d'avoir pris l'argent. Il a démenti, il a nié que qui? Jamais. Je ne l'ai jamais accusé. C'est comme ça, Adèle aussi est venue démentir. Qu'elle n'a jamais dit que j'ai pris l'argent. Heureusement que quand elle avait parlé, il y avait les témoins oculaires qui étaient dans, vous savez, dans son Tabou. On a cette, on a cette manie là. C'est-à-dire, le groupe est là. On peut se rassembler souvent en off. Même si on n'a pas l'émission, on appelle sur la plateforme. Donc, tous les membres actifs, des fois même les participants, les invités, si on les a pas enlevés du forum, eux aussi. Donc, on peut, on peut souvent discuter. Et quand le problème faisait sensation, elle a parlé. Et c'est de là-bas où est sortie l'affaire. Que okay? j'ai entendu qu'elle parle. Elle confirme le Congo. Ça, que j'ai pris l'argent chez l'un. Mais elle a démenti. J'ai fait sortir les témoins oculaires que elle-même ne s'attend pas que ils sont venus me dire parce que maintenant c'est comme ça tu as dit je te balance tu as dit tu ne veux pas venir assumer je t'enregistre et je te balance comme ça comme elle a dit que les gens même qui sont avec elle là bas hein ce sont les gens qui viennent me calmer quels gens qui sont avec moi les qui, qui qui viennent la calmer elle est comme le koumé. elle ne meurt jamais seule j'ai un, un problème avec elle elle dit l'insinue que non les gens qui sont à côté de moi les gens qui sont à côté de moi je les agresse non c'est à toi que j'ai affaire c'est avec toi que j'ai un problème. Donc je m'en fous, même si c'est Barack Obama ou Donald Trump qui s'élève de part et d'autre pour venir te prendre la part. Je m'en fous. Je suis focus sur mon objectif. C'est toi, j'ai affaire à toi. Pourquoi tu allais affirmer les choses que dont tu n'as pas les preuves? Et aujourd'hui, maintenant, parce que tu sais pertinemment que, en allant de ce côté-là, tu ne vas pas gagner. Parce que maintenant, les Gabonais ont fini par comprendre. Mais dis donc, en deux ans, les gens ont eu le temps de faire une analyse logique de la situation. Il faut apporter les preuves de vos arguments. Mais non, comme aujourd'hui, elle sait que, malgré le fait que les membres de la Dream Team ont dit ça, ils ne peuvent pas apporter les preuves de la supposée corruption, jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à en parler, parce qu'ils vont pas me dire que, ils ne sont pas au courant. Ils vont pas me dire qu'ils sont pas au courant quand je parle dans mes lives tous les jours, que je les mentionne. Ils vont pas me dire qu'ils sont pas au courant, ils sont bien les bien au courant, que Dana crie et les appelle aujourd'hui à la confrontation. Mais vous pensez que quand ils répondent par le silence, mais ce silence-là, mais interprétons-le. Ça veut dire quoi Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas les preuves. Que ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui, on ne prend pas l'engagement de venir affirmer ça. Parce que, vous savez, hein, Alain et, et, et Franck, on a passé des moments ensemble, on a des souvenirs. Hein. Celui que je ne connais pas vraiment, vraiment un peu, c'est Early qui est arrivé dernièrement. Et connaissant la moralité de Franck, je ne suis pas d'accord avec Franck. Mais il y a une seule chose que Franck ne fera pas. Peut-être bon, il va maintenant me surprendre. C'est de venir affirmer ce qu'il n'a jamais vu. Franck est comme ça. Même quand tu l'appelles, tu dis que. Mais bon, les gens changent. Parce que même ces derniers temps, j'ai vu il commence un peu à mentir. Ça m'a étonné Parce que dans le live de balles, comme du Mapan, il a dit que oui, il a voté ping. J'étais très étonnée. Je dis, ah bon? Parce que vous là. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à tout. Mais je ne pense pas que Franck soit capable, au cas où, c'est-à-dire à, de... à la dernière minute, même si Early et Alain Serge, c'est un exemple que je prends, je n'affirme pas que c'est eux. <coughs> Mais connaissons quand même Franck, à la dernière minute, même si Alain Serge et Ndossi de ce pas vont affirmer que j'ai pris l'argent, ils peuvent s'entendre. Franck va dire que je, je n'ai pas pris. Je vous dis ça. Parce que je pense que des, des trois, c'est quand même quelqu'un qui, qui arrive à faire. Ça dit qu'il a horreur d'avoir affaire à sa conscience. Et vous savez que ça, ça ne va pas arranger Alain Serge Indossi. Maintenant, peut-être que parmi les trois, il y a deux aussi qui sont favorables. Parce que je vous dis que c'est une personne. Je ne veux pas mélanger dire que ce sont les trois, mais je suis obligé de les mélanger pour que, au moins, les deux personnes, dans leur âme et conscience. Parce que les trois, jusqu'à présent, personne ne m'a appelé pour dire que Dana, oui, tu accuses que c'est parmi nous trois qu'on a dit que l'un de nous est allé affirmer que tu as pris l'argent. Viens, on va régler. Jusqu'à présent aussi, personne ne m'appelle pour me demander. Mais je sais que, il y a deux personnes qui savent qu'elles n'ont rien dit. Dans, parmi les trois il y a deux personnes. On ne m'a pas dit qu'il y avait trois ou bien deux, on a affirmé, on m'a dit que c'est une personne qui a raconté. Et j'ai le nom de la personne-là. Mais comme les gens aussi sont des poules mouillées, quand ils viennent te dire, ils ne veulent même plus que, toi aussi tu as sorti leur nom, je suis obligé de protéger mes sources. Mais ça va sortir. Comme pour Adèle, non. J'ai gardé, 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 elle ne savait pas que j'avais le joker. Maintenant, je vais sortir. C'est-à-dire que comme elle dit que je mens, je suis en train de faire de l'achat, de m'encontrer, non. Je lui donne rendez-vous très bientôt. Elle sera surprise d'être étonnée parce que... Qu'est-ce que Kofi Olomide a dit Que quand un gangaï forme son enfant, il garde toujours une dernière botte secrète pour la fin. Parce qu'on ne sait pas, au cas où l'enfant veut se révéler, j'ai toujours une petite botte secrète pour la fin. On n'utilise pas toutes ces armes au même moment. Parce que si j'avais pris cette fille-là à l'usure, c'est-à-dire sous l'émotion, je le rappelais pour dire que pourquoi tu parles de moi Aujourd'hui, je pouvais plus. Ça dit que ça là, elle ne va même pas aller au choc de ça. Même. Elle ne sait pas. Ça dit que là, maintenant, là, ça va se remuer, quoi. Elle va se remémorer. C'est-à-dire que sa conscience ça va se... Comment on dit même Va se euh, euh, réinitialiser. Bon. Mes chéris. Oui, bon anniversaire Audrey. Je vous avez gardé longtemps, allez-y, dormir, Ciao. On a fait une heure de temps. Donc, Annie ma, m'a Male, on donne 48 heures à tous nos détracteurs, tous ceux qui ont dit que tous les yeux du FBI tordus, les yeux chinois, tout ça qui ont accusé que tu as pris l'argent, tout ça là, que tu couches avec et quoi. On leur donne 48 heures aussi pour nous sortir le nom des ma rivale, de la maîtresse des barreaux Tout, On doit être au courant de tous les moindres détails. Combien il a détourné, avec qui il me trompe, en dehors de la nièce, ça à qui il est marié légalement. Tout, ces petites jambas du Trucadéro, je vous laverai correctement et bien. Tout, je dois être au courant de tout. On doit venir me donner les dossiers parce que tout le monde sait que Hugues, c'est mon chéri. Voilà. Donc, qui a touché au chéri de Tataïguet dans la résistance Tout. On doit être au courant de tout. Malé, c'est ton beau-fils. On fait ça doucement. Mais c'est un bandit. Il faut qu'on le dénonce. Voilà, je suis une bonne femme. C'est pas parce que je suis dans son dolo que je vais venir comme le mouton, amener le, les populations dans le faux. Oui, c'est un mignon garçon. Oui, je suis dans son... Je suis naze de lui, mais c'est un bandit politique. Voilà, je dis la vérité. Ils ont 48 heures. Je vais le laver correctement et bien. Quand la femme se fâche, in, p in, p in, p in, les secrets sont dehors. Hein Si tu es menteur, chambrier, elle va le dire. Si tu es un faux politicien, tata Huguette va le dire. Notre père, il a rien m'a chanté la vérité, je vais dire. Aïe Maman, les faux comptes, là, même, je vous, je vous respecte, même. <laughs> Ouh, vous êtes versé ici, là, ouais, ça devient maintenant la République des faux profils ici, là. Il a les Njomba, non? A, on, va, on va traiter leur faux comptes. Comme elles étaient déjà, c'était le, le, comment on appelle ça? Le, le placeur, c'était Marceau. Comme il a il plaçait les petits Njomba. Chez mon type Hugues, là-bas, il s'est dit que non là c'est fini maintenant il maîtrise il ne maîtrise rien déstabilisation je les déstabilise au banc on va aller faire les plantations on doit laisser maintenant la politique aux autres aussi d'autres familles aussi doivent venir bénéficier bon mais je vous laisse Ciao, ok madame Flavien Nadia et non <coughs> on se donne rendez-vous dans 72 heures. Hmm. Ciao la famille. <laughs> non, les petites Jamba sont indisciplinées. Elles étaient maintenant avec Peggy. Ou bien il avait déjà promis Baro à, à Peggy la cochonne. Parce que la façon qu'elle avait pris la confiance pour insulter les parents des gens là, on dirait qu'on lui a dit que non, bon. Toi, tu seras la petite Njomba, et machin, machin. Il n'y a, a rien. Njomba, vous serez les Njomba des chômeurs. Vous ne serez plus les Njomba des honorables. Comme vous voulez maintenant devenir les grandes jombas de la République. Quand vous passez aussi maintenant, les gens doivent raser les murs. Oh, C'est la maîtresse de. Jamais tu seras la maîtresse d'un chômeur. Aucun siège, aucun électorat. Pas si vous partez négocier la nuit comme vous êtes habitué à négocier pour avoir les sièges électoraux. Il n'y aura rien. Aucun Gabonais ne va vous voter. Maintenant là, ce sont les fils du peuple, les gars du Mapan maintenant aussi qui doivent aussi devenir des familles républicaines. Ça a déjà fait 50 ans, c'est bon. On va changer un peu la nuit politique là. Les gens manéras plus les murs, elles sont maintenant un faux profil pour devenir folles pour insulter les gens. Tu n'as pas vu l'autre aussi là, Des charbonnages, la folle là qui allait ramasser les pauvres mamans, Fan enfin, leur dit que oh, j'insulte leur tontine en attendant, je n'avais rien à voir. Elles sont pareilles dit que j'insulte les mamans de la tontine. Là. Je m'adresse à elle, elle est pas soutenir Soulever la coalition des pauvres mamans qui font la tontine. Avec elle. Toujours. 72 heures chrono. On est dans... On va appeler, ça la rubrique Jack Bauer. Voilà. À partir de maintenant, c'est baptisé. Quand tu passes maintenant à Pyongyang Pyongyong te donne... Toujours, il y a la rubrique Jack Bauer. Ils vont confirmer. <laughs> Ange Gabon dit qu'il faut faire le live à minuit. <laughs> comme ça, quand les gens vont. Oui, parce que quand ils mangent là, et puis ils digèrent aussi, non? Au moins, quand ils s'apprêtent à dormir, ils vont dormir avec ça, ils vont enregistrer ça dans leur grosse tête, comme pour moi là. Et Feman. La République des faux monnayeurs politiques. Bon. Bisous, bisous mes chéris. À tantôt. Donc, la coalition, vous avez 48 heures. Parce que après ça, je ne répondrai plus de rien. Ciao. Bisous, Chiara. Good job. Ciao, assuré aujourd'hui. Je n'ai pas vu les autres là. Ou bien vous avez détalé. Euh, Madroline, le prochain live, c'est dans 72 heures, chérie. Que Dieu nous garde en vie. Tchau!